Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de karaage de poulet. J'espère que je prononce bien. C'est un poulet frit à la japonaise. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Sans plus tarder, nous allons passer à la recette. Pour notre recette, nous aurons besoin du blanc de poulet découpé en tout petits morceaux. Nous allons passer à l'assaisonnement. Pour cela, nous aurons besoin du gingembre râpé. Nous allons rajouter de la sauce soja. Alors, les quantités sont vraiment faites au feeling. Nous allons rajouter du mirin. Nous allons rajouter quelques gousses d'ail. Poivre blanc, on va rajouter du cumin. Dans la recette originale, je sais, il n'y en a pas, mais j'aime le cumin et je ne peux m'en passer. Donc voilà, on va macérer, on va mélanger tout ça afin que notre poulet puisse s'imprégner de toutes ces saveurs là, et on va filmer et laisser reposer pendant 30 minutes. Minutes après, on va venir dans un plat mettre de la fécule de pomme ou dans un bol en fonction de vous, et ensuite on va faire revenir nos morceaux de poulet un à un afin qu'ils s'imprègnent bien de cette fécule de pomme. C'est ça qui donnera ce côté croustillant pendant la friture à nos morceaux de poulet. Les amis, n'hésitez surtout pas à refaire la recette et venez me dire en commentaire si vous l'aimez. Parce que moi, j'adore. Franchement, c'est une version rapide du KFC. Ce n'est pas le KFC, mais une version rapide. Donc, si vous n'avez pas assez de temps et vous voulez manger du poulet croustillant façon KFC, alors n'hésitez surtout pas à refaire la recette. Donc voilà, on va imprégner bien nos morceaux de poulet de la fécule de pomme. Et ensuite, on va passer à la friture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune de mes vidéos. Likez, partagez, ça me fera plaisir. Et surtout, j'aimerais bien vous lire en commentaire pour savoir si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez testée, ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir. Les amis, voilà à quoi ressemblent nos morceaux de poulet au final. Nous allons passer à la friture. Mes goodies, une fois que l'huile est chaude, nous allons faire revenir nos morceaux de poulet un à un à l'intérieur. Et ensuite, nous allons frire à basse température afin que ça ne brûle pas et que ça puisse bien cuire de l'intérieur. Une fois que c'est cuit, nous allons retirer et passer à une seconde friture. Donc, on va faire frire nos poulets, nos morceaux de poulet deux fois. Donc là, comme je vous disais tantôt, on va retirer nos morceaux de poulet, laisser l'huile bien chauffer et ensuite faire revenir nos morceaux de poulet une seconde fois. C'est apparemment cette technique qui donne ce côté croustillant aux morceaux de poulet. Donc voilà, on va frire une deuxième fois.
Donc les amis, voilà à quoi ressemblent nos morceaux de poulet. C'était vraiment trop bon. C'est une recette vraiment à réaliser, je vous assure. C'est rapide, c'est facile, c'est bon. Et en plus, ça peut s'accompagner avec tout. De la salade, des pommes, des frites de pommes. En fait, on peut le manger avec tout. Donc là, on va retirer une petite quantité et je vais l'accompagner avec de la sauce sriracha. Je n'en avais plus assez, donc il fallait vraiment secouer la bouteille. Mais je vous assure, c'était trop bon. N'hésitez pas à essayer la recette. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!